Pour ce quatrième tuto tricot, je vous propose de réaliser une robe fillette. Donc moi j'en ai réalisé trois, je crois que c'est les tailles 9, 12 et 18 mois, mais le modèle est proposé de la taille 6 mois à la taille 24 mois. Je l'ai réalisé pour la partie basse en tout cas en jersey et le haut, bien sûr je l'ai fait avec des côtes, histoire d'avoir cette petite forme évasée sans avoir de diminution à faire. Et ça c'est toujours dans le souci que ce tuto soit utile et adaptable pour tout le monde. Cela étant, rien ne vous empêche de réaliser le bas de l'ouvrage dans un point fantaisie puisque c'est une forme qui est à l'origine toute droite. Simplement regardez bien la présentation des modèles et du matériel parce que je donne quelques conseils pour éviter les erreurs les plus fréquentes. Donc voilà le modèle que j'ai fait pour le tuto lui-même. C'est un modèle donc en taille 18 mois et que j'ai tricoté avec une laine Bergère de France. Donc en parlant de Bergère de France, rendons à César ce qui appartient à Jules. C'est un modèle de Bergère de France que vous trouverez sur le site de Prima. Dans votre moteur de recherche, il vous faut taper robe Donu crochet tricot et aller sur le site de Prima. En effet, ce modèle est initialement réalisé aux aiguilles et au crochet, et avec un fil à tricoter coton 50, coloris, bengale, ficelle et nougat. Alors évidemment, je l'ai adapté de sorte à ce qu'on puisse le faire entièrement au tricot. Voici le patron d'origine, donc de la taille 6 mois à la taille 24 mois, auquel j'ai apporté quelques petites modifications au niveau des dimensions, en particulier celle-ci dont on n'a plus besoin, puisque je rajoute une bande de côte qui va venir resserrer l'ouvrage et lui donner une forme légèrement évasée sans qu'on ait besoin de faire de diminution, de sorte que tout le monde puisse le faire. Bien sûr, dans le tuto, je vous explique au fur et à mesure comment refaire les calculs pour que ce soit adapté à votre laine et à vos aiguilles. Voilà, et ben je vous souhaite un bon tuto tricot. Ce modèle-là, je l'ai tricoté avec un fil de chez Katia qui s'appelle Dégradé Sun et j'ai utilisé, si mes souvenirs sont exacts, trois pelotes. C'est une taille 12 mois. Je vais vérifier le nombre de pelotes parce que du coup j'ai un doute. Ouais, c'est ça, trois pelotes. Alors, je l'ai tricoté, il se tricote normalement ce fil avec des aiguilles 3,5. Bon, moi j'ai fait la partie jersey en aiguille 4 et une demi-taille en dessous pour les côtes. C'est un fil qui fait 115 mètres, une pelote qui fait 115 mètres. Alors, là il y a quand même quelques petites bricoles à dire. Donc, déjà les bretelles, je les ai faites légèrement plus longues que dans le tuto parce que je voulais vérifier si ça apportait quelque chose dès le départ. Ben, ça permet effectivement de croiser et d'être sûr de la taille des bretelles, mais vous verrez, je vous explique qu'il ne faut pas rabattre les bretelles tout de suite et garder du fil perdu pour éventuellement les rallonger. Donc c'est le genre de souci que vous pourrez régler à la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là j'ai pas fait de bordure, j'ai pas fait ni de bordure en côte, ni en point mousse, ni quoi que ce soit. Donc vous savez que pour éviter que le bas roulotte quand on tricote en jersey, on fait une bordure côte, point mousse, point de blé, point de riz. Là, j'ai essayé comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau esthétique. Alors, c'est pas mal, à ceci près que, au niveau des coutures, vous voyez, le rouloté ne se fait pas. Bon, alors du coup, pardon, du coup, esthétiquement, ça me gêne un petit peu. La deuxième chose aussi, c'est que c'est une robe, déjà, c'est un modèle qui est très court. C'est une robe qui se porte très courte. Et en ne faisant pas de petites bordures et avec cet effet rouloté, ça la rend encore plus courte. Donc je ne suis pas forcément sûre que ce soit l'idéal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de faire une I-corde tout le tour en bas. Je vais vous montrer le résultat et si c'est probant, si ça a réussi, je vous mettrai à la fin le tuto. À la fin de ce tuto, je vous mettrai la partie où je fais ce cordon en I-corde sur le bas. Alors ce qu'il faut comprendre dans ce patron, c'est que, il faut avoir un effet donc évasé. Donc dans le modèle original, on l'a pour deux raisons. D'abord parce que le bas est fait au tricotage et le haut en crochet, donc c'est des mailles beaucoup plus serrées. Déjà, ça fait cet aspect évasé, mais aussi parce qu'on va faire des diminutions. Or, moi, j'essaye de simplifier au maximum les choses et on obtient cet effet évasé parce qu'on vient faire des côtes. C'est-à-dire qu'on a du jersey, on garde le même nombre de mailles, mais on vient tricoter des côtes avec des aiguilles une demi-taille en dessous. Donc ça se resserre et c'est comme ça qu'on obtient l'effet évasé sans avoir besoin de faire des diminutions. Voilà pour ce modèle, bah, qui est pas mal, hein, le côté dégradé est assez sympa. Donc voilà, quand on débute, avoir un fil dégradé comme ça, un fil avec plusieurs couleurs aussi, ça peut être sympa parce que même si on fait que du jersey et des côtes, bah, il y a tout de suite un côté, un effet esthétique qui est assez joli.
Du coup, je vous montre quand même la finition en e-corde. Donc, je viens juste de terminer, je viens juste de tourner la petite vidéo. Et le résultat me plaît suffisamment pour que je vous le propose. Donc, voilà, à la place du jersey qui roulotte en bas, vous avez tout le tour de la robe. Ce qu'on appelle une e-corde. Alors, ce n'est pas une technique que j'ai inventée, je l'ai trouvée sur Internet, sur une chaîne YouTube. Je la cite, vous pourrez la retrouver, je mettrai le lien même, je pense. Et la finition me plaît suffisamment pour vous la proposer, d'autant plus que vous pourrez l'utiliser. Donc, comme le pull que je vous ai montré dans cette petite vidéo où je vous montre que j'ai fait les bas de manche, le bas de pull et même le col en V avec une e-corde. Mais vous pourriez l'utiliser comme dans la vidéo de fil en aiguille pour border une couverture, par exemple. Ça peut avoir pas mal d'utilité et je trouve que la finition est quand même sympa. Ce petit rouleauté là, effectivement, ça ne me plaisait pas trop. Je ne vous cache pas quand même qu'au niveau finition précisément, j'ai eu un peu plus de mal à faire le raccord entre le début de la e-corde et la fin. Mais non, je crois quand même que c'est une technique qu'il faut vous montrer et que vous pourriez utiliser. Alors sur celle-ci, pas mal de choses à vous dire aussi. Bon, on va déjà parler du fil. J'ai utilisé un fil qui s'appelle Éco-Coton de chez Katia. Donc les pelotes font 120 mètres. C'est un fil de coton qui se tricote initialement avec des aiguilles 3. J'ai utilisé aussi du fil coton 3. Donc là aussi, c'est un coton. 121 mètres la pelote. Voilà. Et j'ai utilisé, ça se tricote initialement avec des aiguilles 3. Et c'est ce que j'ai utilisé. Donc je suis en train de chercher la couleur parce que je ne sais plus laquelle est la rouge. Je ne sais plus. Voilà, si. Alors c'est fil coton 3 qui est en rouge. Donc fil coton 3, j'en ai utilisé presque 3 pelotes. Et celle-ci en blanc, j'en ai utilisé 2 pelotes. Alors, pas mal de choses à vous dire sur ce petit modèle. Bon, déjà, c'est un 9 mois. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris des dimensions entre le 6 et le 12. J'ai fait ma petite cuisine comme d'habitude. Mais là où c'est important, c'est que le bas, comme c'est une partie qui est droite par définition, en tout cas dans ce tuto, j'ai pu de ce fait utiliser un point fantaisie. Alors, c'est un point qui s'appelle le point d'Aster. Je vais vous mettre là en bas de l'écran. Voilà, comme ça, il faut que je montre. En bas de l'écran, le lien vers la vidéo parce que je me souviens plus du nom en fait. Et c'est ce qu'il y a de bien dans ces modèles, tous les modèles que j'ai proposés jusqu'à maintenant, c'est le cas. Vous avez toujours une partie droite qui vous permet d'utiliser un autre point. Et du coup, c'est vachement sympa, vous n'êtes pas obligé de faire du jersey. Sauf que pour obtenir l'effet évasé, rappelez-vous sur le modèle précédent, je vous ai dit, on garde le même nombre de mailles entre le jersey et les côtes. Simplement, on change de taille d'aiguille, une demi-taille en dessous. Et du fait qu'on fait des côtes, ça va venir comme ça l'évaser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce point d'Aster, ici, pour avoir la largeur que je désirais, après avoir fait un échantillon, il me fallait 100 mailles. Or, si j'avais fait la même chose, mais en jersey, il m'en aurait fallu seulement 75 mailles. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'attaquer les côtes, j'ai réparti 25 diminutions. Alors, j'ai fait ça en 4 rangs. Ici, en jersey, ça se voit un petit peu. Et je suis passée de 100 mailles aux 75 dont j'aurais eu besoin initialement si j'avais tricoté en jersey, et j'ai attaqué mes côtes à ce moment-là. Pour le dos, j'ai fait la même chose, si ce n'est que j'ai fait des diminutions sur un point mousse parce que je voulais voir si c'était plus joli ou pas. Effectivement, c'est un petit genre. Donc, si vous faites un point fantaisie en bas, pensez bien à faire quand même un échantillon en jersey pour que, avant d'attaquer les côtes, vous ayez le même nombre de mailles. De mailles que si vous aviez tricoté le bas en jersey. C'est très important, sinon votre proportion ne va pas être respectée. Autre chose aussi, j'ai croisé les bretelles et j'ai. En fait, sur le dos, j'ai oublié de faire les boutonnières. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coudre les bretelles en point arrière. Du coup, c'est sans doute moins facile à enfiler. Voilà, avec les petits boutons, vous défaites les boutons, vous enfilez la robe et ensuite vous venez croiser ou pas les bretelles. Bon, là, on n'a pas trop le choix. Et sur un bébé, c'est peut-être pas forcément évident de devoir lui faire passer la tête ici parce que les bretelles sont croisées derrière. Donc là, c'est peut-être pas un, enfin, c'est pas un choix que j'ai fait, c'est un oubli, mais de toute façon, vous le verrez, bon, il y a toujours quelque chose qui cloche dans ce que je tricote. Il y a toujours un défaut, c'est ma marque de fabrique. Sinon, très sympa, et vraiment, je vous conseille, si ce n'est d'utiliser ce point qui est quand même un petit peu difficile à réaliser, de tenter le coup avec un point fantaisie en dessous, ou même un point jersey, mais peut-être des rayures. Parce que vous allez obtenir un résultat très différent, alors que techniquement, le patron est le même. Simplement, on a bien le même nombre de mailles en bas et en haut. Donc, si vous faites un point fantaisie, vous venez en rajouter ou en enlever autant que nécessaire que si vous l'aviez fait
en jersey. Bon, j'ai un petit coup de cœur sur celle-là. Hein. Je la trouve vraiment super, super sympa. Par contre, sur celle-ci, celle dont je vais me servir pour faire le tuto, pas de coup de cœur et loin s'en faut. On va déjà parler du fil. C'est un fil de chez Bergère de France qui s'appelle Bergeren. C'est vraiment un grand classique chez Bergère de France. Donc, le choix du fil est déjà contestable au départ parce que c'est un fil un petit peu épais. Et honnêtement, est-ce que ça convient pour une robe d'été? Ça peut se discuter. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai choisi ce fil parce qu'il est un petit peu épais, il convient d'ailleurs très bien pour des gilets d'automne, mais parce qu'il me fallait un fil relativement clair pour que cela, sur la vidéo, ça se voit bien. Or, en fil coton un peu fin, ben, j'en avais que des foncés et très honnêtement, on voit strictement rien. Donc, j'ai utilisé 4 pelotes de cette laine-là, qui normalement se tricote avec des aiguilles numéro 4 et chaque pelote fait 95 mètres. Et alors moi, toujours dans l'optique que la vidéo se passe bien et que vous puissiez voir correctement les choses, j'ai utilisé des aiguilles beaucoup plus grosses. Alors pas de problème puisque j'ai fait un échantillon et que j'ai adapté mon nombre de mailles et mon nombre de rangs en fonction de la taille que je voulais faire. Donc en l'occurrence, c'est une taille 18 mois. Sauf que tricoter avec des aiguilles aussi grosses, eh bien le fil n'a pas de tenue. C'est assez mollasse, c'est vraiment pas chouette. Voilà, il faut que je vous le dise, c'est pas chouette du tout. En plus, j'ai quand même pris le soin de remesurer un petit peu mes dimensions parce que j'avais le sentiment qu'elle était un peu disproportionnée. Donc, j'ai regardé les dimensions de la taille 18 mois et j'ai bien 34 cm ici, j'en ai bien 25 ici, j'en ai bien, je sais plus, non, c'est 28 ici et puis 25 là. Pas de problème, mais je sais pas, avec ce fil épais et tricoté avec des aiguilles aussi grosses, ça va pas. Donc, mon conseil, du coup, quel que soit le fil que vous utilisiez, tricotez-le avec les aiguilles préconisées, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc pour la partie jersey, si c'est un fil avec des aiguilles numéro 4, ça sera 4 en bas. Et aiguille une demi-taille en dessous, voire une taille en dessous pour les côtes. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, cette fois-ci, j'ai fait quelques rangs de points mousse pour faire la petite bordure et puis éviter que ça roulotte. Honnêtement, c'est pas mal. C'est beaucoup moins compliqué que les côtes 1, le point de blé ou le point de riz, qui sont des points compliqués parce qu'il faut sans cesse passer le fil devant et derrière et que c'est là qu'on fait des erreurs et qu'on rajoute des mailles sans le vouloir. Et finalement, ben, ça rend pas mal, ça a un côté, voilà, ça a un côté bébé, donc c'est assez sympa. Au niveau des boutons, alors vous n'avez pas encore vu la vidéo, donc vous ne savez pas que, comme je vous le disais tout à l'heure, quel que soit l'ouvrage que je tricote, et ça depuis le début, je fais toujours des erreurs. Voilà. Bon. Et donc là-dessous, sous ce bouton, il y a une escounaillée, j'ai fait une couillounidge, comme dirait l'autre, et du coup, pour venir camoufler cette erreur, parce que j'avais la flemme de tout recommencer, surtout parce que j'en avais un peu assez de tricoter cette robe alors que je la trouvais pas chouette. Mais bon, fallait bien que je continue parce que techniquement, c'est tout à fait valable. Donc, je suis venue coudre un bouton ici pour cacher les défauts, du coup, j'en ai cousu deux de plus en haut du buste pour faire un petit rappel, et évidemment, au bout de mes bretelles, pour venir pouvoir utiliser les bretelles correctement, donc croisées ou pas croisées, ça c'est vous qui verrez au dernier moment. Donc le point, si on doit retenir quelque chose, c'est que, en dehors du fait que j'ai utilisé un fil beaucoup trop épais pour l'été, pensez bien à utiliser des aiguilles en adéquation avec l'ouvrage et à venir tricoter le bas, c'est-à-dire ici le point mousse, si vous le faites en point mousse, mais surtout, surtout les côtes, avec des aiguilles au moins une demi-taille plus petite. N'utilisez pas des aiguilles trop grosses, disproportionnément trop grosses par rapport au fil, parce que voilà, c'est quand même vachement moins chouette que celle que j'ai faite avec le fil Katia Dégradé Sun, où voilà, il y a plus de tenue, c'est plus sympa. Bon, ben, je crois que c'est tout. On va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire au tuto lui-même et au calcul en particulier. Donc pour l'échantillon, j'ai tricoté un carré qui fasse un peu plus de 10 cm sur 10, 12 sur 12 par exemple. Alors comme j'ai utilisé des aiguilles plus grosses que celles préconisées, j'ai pas pu me servir des données fabricants pour calculer la taille de mon échantillon. En général, lorsque vous utilisez les mêmes aiguilles que celles préconisées sur l'étiquette de la pelote, vous montez 10 mailles de plus que ce qu'on vous donne pour l'échantillon. Bon, moi, en étant avec des aiguilles numéro 6, ça correspondait à pas grand-chose. Et puis, de toute façon, j'ai fait un échantillon très grand pour avoir largement la place de mesurer pour vous le montrer comme il faut. La deuxième chose, c'est que quand vous avez fait votre échantillon, vous rabattez et puis vous le laissez reposer.
après l'avoir épinglé. Donc vous l'épinglez de sorte que ça fasse à peu près le carré avec ses dimensions normales, sans tirer. Et puis vous le laissez un petit peu, vous pouvez passer un petit coup de vapeur dessus. Alors faites attention, n'appuyez pas, ne venez pas poser la semelle du fer à repasser dessus parce que parfois vos laines ne le supportent pas. Vous laissez sécher, vous enlevez les épingles et c'est à ce moment-là qu'on vient mesurer. Bon, je ferai sûrement une petite vidéo sur l'échantillon parce que ça m'évitera de vous répéter les choses, toujours la même chose à chaque fois. Alors, pour le compter, donc souvenez-vous, une maille c'est un V. C'est un petit V, alors des petits V, il y en a partout. Je vais donc venir poser mon réglé dans le prolongement juste en dessous du petit V. Voilà. Et avec mon stylet, donc j'essaye de me mettre à peu près droite. Alors, c'est pas évident parce que avec la caméra, je suis obligée de me mettre un petit peu loin. Voilà, on va dire que ça va. Et je vais venir s'enlever le petit stylet parce que ça sera plus facile. Parce qu'en fait, tous ces petits V qui se succèdent, à la fin, on ne sait plus où on campe. Donc essayez de garder votre petit stylet bien sur les mailles pour compter et vous ne le relevez pas. Donc là, vous voyez, j'ai une maille. À côté, j'en ai une autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Sachant que je suis plus à 17 et demi qu'à 18. J'arrondis à 18. Voilà, moi, c'est pas une laine très épaisse, ça va pas faire une énorme différence. Normalement, bon, je devrais noter 17 et demi, mais enfin pour les calculs, ça va pas vraiment m'arranger. Donc comme je bidouille toujours un petit peu, et bien cette fois-ci aussi. Donc si je voulais tricoter une largeur de 10 cm, il faudrait que je monte 18 mailles. Pour savoir combien de rangs il me faudrait tricoter pour avoir 10 cm, je vais donc me positionner le long d'un rang. Alors souvenez-vous, une maille c'est un V. Vous avez des mailles les unes sur les autres, c'est ce qui constitue des rangs. Donc je vais me mettre dans le prolongement d'un petit V. Alors, je vais mesurer seulement sur 5 cm et je multiplierai par 2 parce que le champ de ma caméra n'est pas suffisamment important pour que, en gros plan, je puisse compter sur 10. Mais vous comptez sur 10 cm. Alors, on peut compter les V ou on peut compter les petits trous. C'est la même chose. Donc, je suis dans le prolongement d'un V et je vais compter les V jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 fois 2, ça fait 24. Pour tricoter 10 cm de hauteur avec ce fil et mes aiguilles numéro 6 en jersey, il me faudrait faire 24 rangs. Je vais vous le refaire avec les petits trous au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà qui confirme. Alors, je ne sais pas si vous entendez un petit peu les bruits, mais il y a déjà mon ventre qui gargouille, ce qui est un signe que j'ai faim. Ce qui est un signe que je ne vais pas tarder à raconter n'importe quoi, parce que quand j'ai la dalle, ça part vite en live. Et il y a mon deuxième chien qui est en train de dormir à côté de moi et qui ronfle, mais je ne sais pas si on l'entend. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que mon échantillon est de 18 mailles fois 24 rangs. Voilà, j'ai fait un super joli dessin. Mais la première chose qu'on va faire, c'est de venir mettre en évidence les tailles qui nous concernent. Donc moi, c'est la taille 18 mois. Donc ici, 37. Ici, 34. Ici, 10. 26. Voilà. Il y a des tailles, des dimensions, je veux dire, dont on ne va pas se servir, celle-là et celle-là. Je vais maintenant reporter quelques-unes des dimensions sur mon joli dessin. Donc la première, c'est celle du bas, en l'occurrence 34. Ensuite, je vais d'abord me servir de la dimension totale. Donc de la pointe jusqu'au bas. Et là, j'ai 37.
Alors, je vais évidemment, comme d'habitude, modifier un petit peu les choses. Je l'ai fait ben, notamment pour qu'on puisse se simplifier la vie. Donc, on va avoir une première dimension ici. Celle-là, c'est la bonne. On l'utilise. 10. Ensuite, en bas, je vais venir faire. Oh, c'est pas très chouette, hein. Pour tout le monde, 2 cm. Alors, on verra. Moi, je vais sûrement faire du point mousse, mais on pourrait faire cette petite bordure en côte ou quoi que ce soit. Tiens, il y a le chien qui arrive. Donc 2. Ici, on va se rajouter une petite bande de côte toute droite pour tout le monde qui fera 5 cm. Voilà. Donc il nous reste maintenant cette dimension à calculer. Alors si j'ai 37 dès le départ, que j'en ai mis 10 ici, ça fait 27 moins 5, 22 moins 2, il reste 20. Voilà. Au niveau de la taille des aiguilles, donc ici, moi, je vais fonctionner avec des aiguilles 5,5, c'est-à-dire une demi-taille en dessous de la partie principale de l'ouvrage où ce sont des aiguilles 6. Et je vais revenir à partir de là à des aiguilles 5,5. Ici, ça sera du point mousse ou autre chose si vous le souhaitez. Ici, du jersey et toute cette partie-là sera faite en côte. Donc, en l'occurrence, moi, c'est des côtes 3-2. Je fais toujours des côtes 3-2 parce que les côtes 1, ben, c'est beaucoup plus long. Et moi, j'aime pas trop ça. Je vous rappelle mon échantillon, donc que j'ai fait sur du jersey, c'est 18 fois 24. Pour 10 cm, il me faut monter 18 mailles et pour 10 cm de haut, il me faut tricoter 24 rangs. Donc on va commencer, eh bien, on va commencer par diviser toutes les dimensions qu'on a par 10. 34, ça fait 3,4. 10, ça fait 1. 5, ça fait 0,5. 2, 20, pardon. Ça fait 20 et 2, ça fait 0,2. Ensuite, on va venir faire nos calculs. Donc pour savoir combien de mailles je vais monter, je fais 3,4 fois 18. Alors moi je trouve 61,2, je vais arrondir à 62 et ce que je vais vous demander, c'est effectivement d'avoir un nombre de mailles à monter pair. Pour une raison très simple, c'est qu'ici on va venir diviser le travail en deux et c'est beaucoup plus facile quand on a un nombre de mailles pair. Alors pour la hauteur pour la petite bordure, je fais 0,2 fois, et cette fois-ci 24, j'utilise le nombre de rangs. Ça me fait 4,8. Alors, comme c'est du point mousse et que le point mousse, ça avance pas, ça monte pas. C'est le point que je déteste par excellence. C'est super joli, mais ça avance pas. Je sais qu'avec 4 rangs, ça ne me suffira pas, il en faudra 6. Donc, j'arrondis à 6 rangs. J'ai même plus de place pour noter mon nombre de rangs. Voilà. Ici, pour compter le nombre de rangs en jersey, donc je fais ben, 2 fois 24. 48, ça tombe bien, puisque quand on est en hauteur, c'est toujours un nombre de rangs pair. Alors, pour ces deux dimensions-là, comme on est tout droit, vous pourrez, vous calculez le nombre de rangs qu'il vous faut, mais ce que vous pouvez faire, c'est vérifier au fur et à mesure la hauteur. Puisque c'est tout droit, vous vous arrêtez quand vous voulez. Par contre, si vous ne faites pas, si par exemple je ne fais pas 48 rangs, je me rends compte qu'à partir de 46, j'ai mes 20 cm et ça me suffit parce que l'échantillon c'est valable, mais enfin ça reste quand même parfois un petit peu approximatif, on va dire. Donc ce que je voulais dire, c'est que imaginons qu'ici je fasse que 46 rangs et non pas 48, j'oublie pas de comptabiliser le nombre de rangs que je fais puisqu'il faudra que le dos comporte le même nombre de rangs. Donc de votre côté, il faudra faire pareil. Je vais donc, avec des aiguilles 5,5, monter 62 mailles et tricoter 2 cm, c'est-à-dire a priori 6 rangs au point mousse. Pour le fil perdu, j'ai l'habitude de laisser en fil perdu 3 fois la largeur de l'ouvrage, plus 2 fois, hop, ça ira mieux comme ça. 2 fois la hauteur de la couture. Donc là, j'ai 27 x 2 et 34 x 3. Autant dire 30 x 5. Je ne vais pas y arriver. Ah, mais ça s'est coincé. Bon. Moi, je le fais comme ça à l'œil. Alors, je le fais à l'œil notamment parce que j'ai suffisamment de fil. Donc, ça ne m'inquiète pas de garder trop de fil perdu.
Quand je suis ric-rac au niveau du fil, en général, je mesure un peu plus correctement que ça, ou je ne compte pas la hauteur de couture, quitte à le faire avec un fil d'une autre couleur. C'est une couture invisible, donc ça ne se verra pas. Donc en ce qui me concerne, 5 x 30. 2, 3, 4 et 5. Et je fais mon nœud coulant. J'oublierai pas de compter ceci comme étant une première maille. Pour monter les mailles, j'utilise des petits marqueurs, soit achetés dans le commerce, soit que je fabrique. Et je mettrai un marqueur toutes les 10 mailles montées. De cette façon, je peux être interrompue, je saurai toujours où j'en suis. C'est des marqueurs que j'enlèverai au deuxième rang. Donc là, j'en ai 62, donc je vais préparer. Hop, 2, 4, 5. Mais il est pratique, mon rangement, on dirait. Et 6. Moi qui croyais avoir fait une trouvaille. Oui. Donc, 6 petits marqueurs. Comme d'habitude, fil perdu d'un côté, fil qui mène à la pelote de l'autre, et je monte mes mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et je contrôle avant de mettre mon marqueur. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, et je continue. Oui, j'ai bien pris les aiguilles 5,5, hein, bien sûr. Et je continue à monter mes 62 mailles. 1 et 2. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62. Je viens enrouler et faire un petit nœud à mon fil perdu, histoire de ne pas le confondre avec le fil qui mène à la pelote et de ne pas tricoter mes premiers rangs avec. Je vais y arriver, ouais. Voilà, donc le rang de montage ne compte pas, donc je vais attaquer maintenant mon rang numéro 1, c'est-à-dire un rang impair, et je suis donc, ce comme ça s'appelle, être sur l'endroit de l'ouvrage. Bon. Je tricote mes 6 rangs au point mousse. Alors le point mousse, c'est le point soi-disant, enfin j'allais dire oui, soi-disant le plus facile parce que c'est tous les rangs sont tricotés, toutes les mailles à l'endroit. Moi, je ne trouve pas que ce soit le plus facile. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus parce que je vous expliquerai pourquoi. Donc ben là, je vais tricoter 6 rangs au point mousse et je vais mesurer pour vérifier que ça fasse bien 2 cm. De toute façon, on s'arrête sur un nombre de rangs pairs. Pour démarrer la partie jersey ou point fantaisie, si vous souhaitez faire un point fantaisie sur le bas de la robe, on démarre évidemment sur l'endroit du travail, donc sur un rang impair. Donc, tous les rangs. Toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Et sur le premier rang, je fais tomber les marqueurs que j'ai posés au moment du montage. Alors, j'arrive à la fin de mon quatrième rang de points mousse. Alors ça, c'est un truc qui est un peu particulier chez moi, c'est que je change régulièrement d'avis. Ben, finalement, alors je vais vérifier, mais j'ai quand même le sentiment qu'on n'en est pas loin des 1,6 cm. Ouais, sauf que je me dis, j'ai pas très envie de continuer du point mousse. Et je me dis, 2 rangs de plus, ça va faire une grosse bordure, peut-être un petit peu disproportionnée. Là, je suis à 1,6 cm, ça me semble suffisant, pardon. Bon, donc je reste sur 4 rangs de point mousse. Là, vous voyez, vous, comment vous souhaitez faire. Et on va passer à la partie jersey de l'ouvrage. Alors, pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faudra bien penser à changer d'aiguille. Je vous montre ça. Donc rien de particulier sur la partie jersey, tous les rangs en droit, c'est-à-dire tous les allées, seront tricotés toutes les mailles à l'endroit, et tous les retours, c'est-à-dire sur l'envers de l'ouvrage, les rangs pairs, seront tricotés toutes les mailles à l'envers. La seule chose, c'est bien penser à passer à une taille d'aiguille, à des aiguilles une demi-taille au-dessus sur le rang numéro 1, et à bien changer votre deuxième aiguille sur le rang numéro 2. Je termine le rang numéro 1 du jersey. Je passe au numéro 2. J'oublie pas de changer la deuxième aiguille. Si vous oubliez, bon, vous pouvez faire 2-3 rangs comme ça avec une aiguille de chaque, mais pas plus. À ce moment-là, il vaut mieux les faire. Donc, rang 2, c'est un retour. C'est un rang pair. Je tricote toutes les mailles à l'envers. Alors j'ai 20 cm à faire, c'est-à-dire a priori 48 rangs.
Et après, on pourra attaquer les côtes pour faire la partie haute de cette petite robe. Alors, je termine non pas mon 48e rang, mais mon 50e. Donc, j'ai mesuré à 48 rangs et je me suis rendu compte que déjà cette robe était un petit peu courte, donc j'ai rajouté 2 rangs de jersey supplémentaires. Donc, je vais venir le noter sur mon petit modèle pour être sûr de bien penser à faire aussi 50 rangs de jersey pour le dos et non pas 48 comme prévu au départ. Voilà, donc j'ai bien pensé à mettre ici que j'avais fait 50 rangs de jersey pour pouvoir faire le dos de la même hauteur. On va passer maintenant au calcul de la hauteur de côte. Donc on va garder notre échantillon initial au niveau des rangs et on va utiliser donc 24 rangs pour 10 cm. 24 rangs pour 10 cm, ça veut dire que pour 5 cm, je vais en faire 12. Si je fais 24 x 0,5, ça me donne 12 rangs de côte. Alors on va attaquer ces côtes, donc moi ce sont des côtes 3-2 et on va bien penser dès le départ à redescendre d'une demi-taille au niveau des aiguilles. Première chose, je prends bien donc mes aiguilles une demi-taille en dessous. Ensuite, donc moi je fais des côtes 3-2, c'est donc une alternance de 3 mailles en droit, 2 mailles en vert sur tout le rang. Ensuite, je vais vérifier comment je termine le rang puisque les rangs suivants, je les ferai toujours à l'inverse des rangs précédents. Donc sur les rangs impairs, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Arrivé à la fin, je vérifie comment je termine pour savoir comment je commence le rang pair. Et j'inverse. Autrement dit, à partir du rang numéro 2, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir deux vidéos qui, à mon avis, sont indispensables. Avant toute chose, sans doute, celle sur la façon dont se présentent les mailles, tricoter les mailles comme elles se présentent, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Et la deuxième sur les côtes. Bon, je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça donne. Donc, les bonnes aiguilles, et je commence par 3 mailles en droit. Puis, 2 mailles en vert. Et je reprends 3 mailles en droit, deux mailles en vert. J'ai une mouche qui vient m'embêter. Je vais être obligée de la gober celle-là. Et je continue 3 mailles en droit, 2 mailles en vert et je m'arrête un petit peu avant la fin du premier rang. Alors le premier rang, c'est le rang de base. Tous les rangs suivants dépendent de celui-ci, donc il ne faut pas vous tromper. Alors comme on a du jersey avant, on peut se repérer. Les mailles en droit n'ont pas de petite boucle, les mailles en vert ont une petite boucle. Ça vous permet, si vous êtes vers la fin, elle m'énerve cette mouche, si vous êtes vers la fin du rang et que vous savez plus où vous en êtes, de pouvoir venir vérifier, parce que les petites boucles, on les voit quand même pas mal. Je suis sur le point de terminer mon rang numéro 1, de mailles en vert. Qu'est-ce que c'est que ce bit? Ah oui, d'accord. Ok. Alors, j'ai des animaux, j'ai un chat. Et au niveau ménage, je crois qu'on peut dire que, en tout cas dans mon atelier, je ne fais pas les coins qu'on voit pas. Parce que alors je déteste les tâches domestiques, hein, je vous le dis tout de suite. J'appelle ça les heures de boniche, qui font que d'ailleurs les femmes font plus d'une heure de travail supplémentaire que les hommes chaque jour. Alors je réduis ce travail supplémentaire à sa plus simple expression. Et là, en l'occurrence, voilà, j'avais des poils d'animaux, de chats et de chiens, je crois, sur mon fil. Bon, alors, 2 mailles en vert et je vais terminer par 3 mailles en droit, ce qui n'est strictement pas possible. C'est pas possible parce qu'avec 62 mailles, je ne peux pas terminer par 3 mailles en droit. Donc je fais une petite pause là et puis je vérifie parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, ben, j'ai pas mis bien longtemps pour trouver ce qui n'allait pas. Regardez, 2 mailles en vert, on voit bien les boucles, 3 mailles en droit et là je n'ai qu'une boucle, ça veut dire que je n'ai fait qu'une maille en vert. Bon, ben, tant mieux, ça va me donner l'occasion de vous montrer comment défaire quelques mailles. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens récupérer la maille du rang précédent. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où j'ai fait une erreur. Mais si ces mouches aussi, elles m'énervent, là, elles me tournent autour. S'il y avait mes chiens, ils les gobraient, ça serait réglé. Moi, je ne me sens pas l'âme d'une gobeuse de mouches. Alors voilà, donc une maille en vert et deux mailles en vert.
3 mailles en droit. Alors je savais que ça pouvait pas coller. Si vous allez voir le tuto sur tricoter les côtes, vous comprendrez comment il était évident que je ne pouvais pas terminer par 3 mailles en droit. Donc là, 2 mailles envers et je suis supposée faire 3 mailles en droit, sauf qu'il m'en reste que 2. Donc j'ai beaucoup de solutions. Je pourrais terminer par 4 mailles envers, ces deux-là, et faire celle-là à l'envers. Ou ce que je vais faire là, je vais décider de terminer par 2 mailles en droit et non pas 3, puisque j'ai pas assez de mailles. Alors comme j'ai terminé par 2 mailles en droit sur mon rang numéro 1, sur mon rang impair, je terminerai, sauf si j'augmente ou je diminue, je terminerai toujours mes rangs impairs par 2 mailles en droit. Donc je commencerai toujours mes rangs pairs par 2 mailles envers. Alors je fais ça parce que les premières mailles, on ne voit pas comment elles se présentent, surtout la première qui est toute moche. Donc je préfère sécuriser. Ensuite, je vais à partir de maintenant et jusqu'à la fin de mes 12 rangs, je vais tricoter toujours tous les rangs. Je vais tricoter donc les mailles comme elles se présentent, sachant que je terminerai toujours mes rangs pairs par 3 mailles envers, puisque je commence toujours mes rangs impairs par 3 mailles en droit. Allez, je vous laisse aller regarder le petit tuto sur les côtes si vous trouvez que c'est pas assez clair, et comme ça, ça ira mieux. Donc là, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, c'est logique, c'est bien l'inverse du rang précédent. Oui, j'avais oublié, n'oubliez pas de changer votre deuxième aiguille, hein. Ah ben non. Sinon, ça va pas aller. 3 mailles envers. Pas de boucle. 2 mailles en droit. Voilà. Donc, j'ai fait mes 5 cm, mes 12 rangs de côte 3-2. Et donc maintenant, on va passer à la partie où on va faire des diminutions. On va diviser le travail en deux, travailler des diminutions, faire les bretelles, et on passera à l'autre ensuite. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir diviser le travail en deux. En ce qui me concerne, j'avais 62 mailles au départ, donc j'ai toujours 62 mailles. Divisé par 2, ça fait 31 d'un côté et 31 de l'autre. Je vais donc venir mettre un marqueur après les 31 premières mailles. Je place mon marqueur à 31 mailles de bord, donc entre les deux mailles, hein, le marqueur n'est pas tenu dans une maille. Et donc ici, j'ai un nombre impair, en ce qui me concerne. Alors là, on va faire une petite règle, c'est que ceux qui ont un nombre impair ici auront 7 mailles pour leur bretelle. Ceux qui ont un nombre pair ici, 32, 48, je sais pas, hein, je connais pas votre échantillon, auront ici 8 mailles pour leur bretelle. Et ce, quel que soit le nombre de mailles. Je veux dire, si c'est impair, c'est 7, si c'est pair, c'est 8. Quel que soit le chiffre que vous ayez là, que ce soit 54 ou 17, la règle est la même, on regarde juste si c'est pair ou impair. Donc maintenant, pour faire cette partie oblique, on va venir faire des diminutions en début et en fin de rang, exclusivement sur les allées, donc que sur les rangs impairs. Et on va faire ça jusqu'à ce que, en ce qui me concerne, il me reste 7 mailles sur les aiguilles. Alors vous, c'est peut-être jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles sur les aiguilles. Donc diminution sur les rangs impairs en début et en fin de rang. Tous les rangs pairs, on les tricote normalement. Jusqu'à ce qu'on arrive à 7 ou 8 mailles sur les aiguilles. Sans compter cette partie-là, puisque ça on le fait après, on prétend que notre rang s'arrête au petit repère bleu. Donc je vais vous montrer ça parce que l'objectif c'est évidemment de diminuer mais aussi de continuer le motif en côte. Alors pour plus de détails, je vous le redis, vous avez le tuto qui est quand même très détaillé là-dessus, mais je vais vous montrer quand même un petit peu comment ça marche. La règle de base, c'est qu'on va traiter les 4 premières et les 4 dernières mailles des rangs impairs, des allées, toujours à l'endroit. Alors je dis traiter et pas tricoter parce qu'il se trouve qu'il y a une maille qu'on ne va pas tricoter. En tout cas, on va les traiter à l'endroit, les 4 premières et les 4 dernières. Alors, je vous montre comment ça se passe. Et ça, vous le ferez sur tous vos rangs impairs. Je tricote à l'endroit les 2 premières mailles. Je glisse la troisième en la prenant, je vais y arriver, à l'endroit sans la tricoter. Je tricote à l'endroit la 4e maille. Et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. J'ai donc fait une diminution. Et ici, on voit qu'il me reste sur mes aiguilles 3 mailles qui sont à l'endroit.
Ensuite, je regarde et je tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce que j'arrive à 4 mailles de la fin du rang, c'est-à-dire à 4 mailles de mon petit repère. Donc là, boucle à l'envers. Ah tiens, mon imprimante qui se réveille. Super. Alors, j'ai pris soin de mettre mon téléphone sur silencieux, mais par contre, j'avais un peu oublié l'imprimante. En plus, c'est un dinosaure, cette imprimante, donc elle fait un boucan du diable. J'en étais où? Pas boucle à l'endroit. Donc en fait, je continue mon motif, boucle à l'envers, je continue mon motif de code 3-2. Allez, je fais ça et je m'arrête à 4 mailles de la fin. J'arrive à la fin de mon rang, numéro 1. 1, 2, 3, 4, il me reste 4 mailles, je suis à 4 mailles de la fin. Je vais donc, je mets mon fil derrière pour tout faire à l'endroit. Je tricote les deux premières mailles qui se présentent ensemble à l'endroit. Donc je tire un petit peu dessous, je pique dans les deux mailles et je tricote à l'endroit. Ensuite, je tricote les deux qui restent à l'endroit. Je viens donc en fait de faire une diminution. Alors si on observe un petit peu, après avoir fait mes diminutions, je me retrouve avec au minimum 3 mailles endroit en début de rang et au minimum, peut-être plus, ça dépend comment vos mailles se présentent, 3 mailles endroit à la fin de mon rang. Ça veut dire que sur le rang pair, le retour, je vais commencer et je vais finir mon rang à chaque fois avec au minimum 3 mailles à l'envers, puisque je tricote les rangs pairs dans le sens inverse. Ah, ma pelote s'est bloquée. Il faut que je la débloque d'abord. Non, c'est bon, j'ai réussi à démêler ma pelote. Je suis en train de penser à un truc. Pour ceux qui ont un nombre impair, on ne va pas pouvoir se retrouver à 7 mailles quand vous n'aurez que 7 mailles sur vos aiguilles. Parce qu'en dessous de 8, vous ne pouvez plus faire les diminutions telles que je vous les explique ici. Donc on se retrouvera lorsque vous aurez 9 mailles sur vos aiguilles. Pour ceux qui ont un nombre pair, eux arriveront à faire exactement ce type de diminution jusqu'à ce qu'ils aient 8 mailles sur leurs aiguilles. Simplement. Me voilà donc rendu sur le rang numéro 2. Et je vous disais que puisqu'ici il me reste au minimum 3 mailles en droit, ici aussi, minimum, donc ça peut être plus, je vais commencer tous mes rangs en vert par au minimum 3 mailles en vert et peut-être plus, ça dépend comment les mailles se présentent. Donc 3 mailles en vert. Voilà, comme ça là on est sûr de ne pas se tromper. Et ensuite on tricote les mailles comme elles se présentent. Et on finit le rang et on finira par au minimum 3 mailles en vert. Je termine mon rang numéro 2, une maille en vert, une maille en droit, 3 mailles en vert. Logique. Et je vais donc répéter ces deux rangs, diminution sur l'allée. Au début, en fin de rang, entre les deux, je tricote les mailles comme elles se présentent. Derrière, je tricote toutes les mailles comme elles se présentent, mais je sais que je démarrerai forcément par au moins 3 mailles en vert et que je terminerai par forcément au moins 3 mailles en vert. Donc, je répète ces deux rangs jusqu'à ce qu'il me reste, en ce qui me concerne, parce que je suis dans le cas des nombres de mailles impaires, jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles sur les aiguilles pour que je vous montre comment faire votre dernière diminution. Pour ceux qui ont un nombre de mailles pair au départ, vous faites ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 8 mailles sur vos aiguilles. Voilà, j'ai fini de faire mes diminutions et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tourner la partie où je montre à ceux à qui il reste 8 mailles et puis je montrerai pour ceux à qui il reste 9 mailles. Alors, moi, vu que j'en ai 9, hop, pour le montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une maille de côté, vous le montrer et je redétricoterai, je vais y arriver. Et puis je passerai à la partie vidéo pour montrer pour ceux à qui il reste 9 mailles. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tricoter les trois premières et les trois dernières à l'endroit, et les deux mailles centrales seront tricotées à l'envers. Mais on va faire aussi une diminution. Donc les deux premières mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Donc vous faites pareil, vous en avez 8, on fait pareil. La suivante, je la tricote à l'endroit. Les deux suivantes, je les tricote à l'envers. La suivante à l'endroit. Et les deux dernières, hop, ensemble. Du coup, j'ai deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit.
Donc sur le rang suivant, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. On essaye de reconstituer plus ou moins des côtes, sauf que là pour vous, ça sera 2, 2, c'est des côtes de 2. Donc comme les deux dernières sont à l'endroit, les deux premières sont à l'envers. Les deux centrales sont à l'endroit. Et les deux dernières sont à l'envers. Voilà, il vous reste 6 mailles sur vos aiguilles. Et donc, vous allez maintenant placer. Alors, quand je dis placer un marqueur, vraiment, ça peut être avec un bout de fil et une aiguille à coudre. Hein. Ce n'est pas forcément des marqueurs qu'on achète. Mais donc, vous allez placer un marqueur sur la première et la dernière maille. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez tricoter vos bretelles. Et que pour pouvoir mesurer, c'est souvent plus pratique de savoir à partir d'où on commence. Voilà. Et un marqueur sur la dernière maille. Donc je les rentre dans la maille puisque ça restera en place. Donc à partir de là, vous allez continuer toujours tout droit en tricotant donc vos bretelles. En faisant sur l'allée, ben vous tricotez des côtes. Deux mailles en droit, deux envers, deux endroits. Et à chaque fois sur le retour, deux envers, deux endroits, deux envers. Voilà. Et vous faites ça sur le nombre de centimètres que je vais vous indiquer pour les bretelles. Voilà, du coup, je vais passer à ceux qui ont 9 mailles sur leurs aiguilles. Donc pour ça, ben je vais défaire ce que je viens de faire. Et je vais remettre mon aiguille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au fur et à mesure. Voilà. J'ai fait un petit tuto sur le sens des mailles. Parce que là, vous voyez, je suis dans le cas typique où je vais remettre mes mailles sur mon aiguille, mais je vais le faire un petit peu, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, parce que mon objectif, c'est avant tout de ne pas perdre mes mailles. Ça, c'est celle que j'avais laissée de côté. Hop. Et c'est vrai que quand on les remet, souvent, on les met pas dans le bon sens, ce qui n'est pas très grave, puisque dans le tuto en question, je sais plus comment il s'appelle, le tuto d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Je fais des tutos, je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc c'est pas très grave puisque dès que je vais tricoter mon premier rang, je pourrai remettre les aiguilles, les mailles correctement sur l'aiguille pour les tricoter. Bon, bref. 2, 4, 6, 8 et un 9, j'ai bien, comme vous, ceux qui aviez un nombre impair au départ, 9 mailles sur mon aiguille. Alors ici, l'objectif, ça va être de traiter les 3 premières et les 3 dernières mailles à l'endroit et de garder les 3 mailles centrales à l'envers. Donc ça sera des côtes 3-3 pour ainsi dire. Donc on commence. Je vais d'abord tricoter les deux premières mailles à l'endroit ensemble pour faire une diminution. La suivante à l'endroit. Les trois suivantes à l'envers. Oui, c'est pas 3-3, c'est 2-3 en fait. Les trois suivantes à l'envers. La suivante à l'endroit. Et les deux dernières ensemble, à l'endroit. Donc une fois que j'ai fini, il me reste les deux premières mailles qui sont à l'endroit, les trois mailles centrales qui sont à l'envers et les deux dernières mailles qui sont à l'endroit. Du coup, sur le retour, les deux dernières qui sont à l'endroit, qui étaient à l'endroit, je vais donc les tricoter à l'envers puisque je fais des côtes. Les trois centrales qui étaient à l'envers, je vais donc les tricoter à l'endroit. Voilà. Et les deux dernières à l'envers. Ok. Donc là, vous comme moi, on se retrouve avec 2, 4, 6 et une 7 mailles sur les aiguilles. Donc on va continuer la bretelle. En côte, mais exactement comme ça se présente. Toujours deux endroits, trois envers, deux endroits, donc deux envers, trois endroits, deux envers. D'accord? Donc ce sont des côtes 2-3. Enfin, c'est pas tout à fait des côtes, mais. Hop, alors on met, même punition que pour les rangs pairs, on met un petit marqueur. Donc soit un marqueur comme ça, soit du fil et une aiguille à coudre, et on vient marquer la première et la dernière maille. Parce que pour faire la bretelle, vous allez être obligé de mesurer. Et le plus simple, c'est quand même d'avoir un point de départ pour savoir un petit peu à partir d'où on peut mesurer la bretelle.
Pour la longueur de bretelle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une fois et demie cette hauteur-là. Donc moi, c'était 10. D'ailleurs, vous pouvez mesurer. Normalement, vous tombez sur la bonne hauteur. Si c'était 9, c'est 9. Si c'était 11, c'est 11. Donc une fois et demie, ça veut dire que moi, j'ai 10 cm. Je vais faire une bretelle de 15 cm. Ce que je vous conseille de faire, c'est bon, bien sûr, on a mis des marqueurs là et là pour mesurer correctement. Mais ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de venir faire un petit trait chaque fois que vous faites un rang, de sorte que la deuxième bretelle soit de la même longueur que la première. L'autre chose, c'est que personnellement, hop, pour faire les bretelles, j'utilise, voilà, pour faire les bretelles, j'utilise des aiguilles double pointe, simplement parce qu'elles sont plus courtes. C'est pas le fait qu'elles soient double pointe qui m'intéresse, puisque je vais d'ailleurs mettre un bouchon au bout pour pas que les aiguilles tombent. Mais c'est que les doubles pointes, généralement, c'est des aiguilles qui sont beaucoup moins longues et du coup, c'est plus pratique parce que là, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Et avec des aiguilles longues comme ça, et a fortiori, si vous avez des très longues aiguilles, ça va être un petit peu galère. En aiguille double pointe, il se trouve que j'en ai pas qui font du diamètre 5,5 comme celles que j'ai utilisées. Ben, c'est pas grave, j'ai pris des aiguilles numéro 5. Je leur mets un petit bouchon puisque je vais utiliser ces aiguilles en aller-retour, hein, comme des aiguilles normales. Donc mes bretelles seront légèrement plus fines que si j'avais tricoté avec des aiguilles 5,5, mais honnêtement, ça aurait plutôt tendance à m'arranger. Je voulais pas des bretelles trop épaisses. Allez, j'attaque. Bon, ben c'est tout bête, hein. On tricote tout le temps les mailles comme elles se présentent. Donc, oh là, pas simple. C'est tout bête, mais c'est pas simple. Donc, en ce qui me concerne, deux endroits. Trois envers. Deux endroits. Hop. Et j'oublie pas de changer ma deuxième aiguille. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Donc là, ça fait trois envers, deux endroits, trois envers. Je suis en train de réfléchir que si vous aussi, vous vouliez deux envers, trois endroits, oui. Si vous vouliez... Vraiment, j'ai du mal à faire deux trucs à la fois en ce moment. C'est bizarre ce truc. Donc, si vous aussi, vous vouliez rétrécir un petit peu la largeur de votre bretelle, sans pour autant venir faire des diminutions supplémentaires. Vous pourriez, hein, si vous savez tricoter les mailles comme elles se présentent, il n'y a pas de souci. Vous pourriez faire des diminutions de nouveau pour rétrécir. Mais sinon, ben, simplement utiliser des aiguilles plus petites, voire beaucoup plus petites. Donc là, j'ai fait deux rangs. Alors, hop, je vais le faire ici. Et je fais deux petits traits. Je fais deux petits traits tous les deux rangs, histoire d'avoir ma deuxième bretelle aussi longue que la première. Allez, on se retrouve à la fin. On ne rabat pas quand on a fait nos centimètres. On se retrouve à la fin. Bon, voilà, ça y est. J'ai terminé de tricoter ma bretelle. J'ai fait en ce qui me concerne une fois et demie, donc la hauteur de... au niveau des diminutions, là, c'est-à-dire 15. En fait, ça y est, ouais. En fait, je suis super contrariée parce que, voilà, je vous montre. Là, ça ne va pas. Là, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai tricoté sur au moins deux rangs des mailles envers à la place de mailles en droit. Et ça me saoule parce que c'est il y a tellement longtemps avant que là je peux pas faire la réparation hein, puisque j'ai fait des diminutions ici, c'est trop tard. Donc il faudrait que je défasse tout et que je vienne réparer là. Bon, j'ai vraiment pas envie. Alors est-ce que je vais trouver une solution pour faire un petit nœud, un ruban, un bouton, je sais pas. Enfin moi qui vous dis toujours de vérifier votre travail pour pouvoir réparer les erreurs tout de suite, et ben voilà, ça m'apprendra. Deuxième chose qui me contrarie un petit peu, hop, je vais récupérer la première que j'avais tricotée pour essayer, qui n'est pas tout à fait finie parce que j'ai pas fait les boutonnières. Et j'ai pas fait les. Pas les boutonnières, mais j'ai pas posé les boutons. Pour une raison toute simple, c'est que bon, voilà la bretelle, comme ceci. Donc elle fait aussi un arrondi parce que comme il y a des mailles envers au milieu, vous voyez, ça vient faire quelque chose de bon, plutôt assez sympa. Et vous voyez, chaque fois que je rabats, à la fin, ça donne cet aspect-là et ça me plaît pas du tout. Donc, je vais me mettre comme ça, on verra mieux. Donc, moi, ce que je fais en général, quand j'ai des bretelles, je viens faire un petit point de couture pour rabattre l'angle. Voilà. Et éventuellement, je profite même de ce moment-là pour poser mon bouton. Mais bon, ça ne me satisfait pas. J'aimerais bien trouver une solution. Donc, je m'étais dit, peut-être que en finissant le rang, en tricotant sur deux rangs les deux premières mailles ensemble, tu vois, ça finirait un peu en pointe et puis du coup on y arriverait. Sauf que, rappelez-vous,
quand je suis passée des diminutions raglan à la bretelle, j'ai fait les deux premières mailles ensemble à l'endroit. Et on voit bien la diminution. Enfin, tu vois, ça fait une petite maille un peu lâche et donc ça ne va pas résoudre mon problème. Donc, je n'arrive pas à trouver de solution. Cela étant, on ne va pas s'embêter. Pour l'instant, ce que je vais faire, et c'est ce que je fais de toute façon à chaque fois, je ne vais pas rabattre et je ne vais pas couper le fil. Enfin, je vais couper le fil, mais je vais me laisser une marge. Alors, il se trouve que j'ai assez de fil, donc je peux me laisser la marge que je veux. Mais il se trouve que j'ai besoin du reste de la pelote pour faire de l'autre côté, donc je vais être obligée de couper le fil. Mais par contre, je ne vais pas rabattre, je vais mettre... Alors, les petits clics-clics-clics que vous entendez, voilà. Ok, ça y est, couche-toi. Ok. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, vu que je finis jamais mes phrases. Hein. Donc, je vais mettre ces mailles en attente. Alors, moi, je les mets sur une épingle à nourrice. Je pourrais les mettre sur un arrête-maille. Vous pourriez même prendre un fil, une aiguille à coudre, et puis les mettre en attente sur un fil. Hein, un fil un peu épais, voilà. Enfin, c'est pas tellement un souci. Tiens, allez, hop, je vais faire ça. Et je mets ces mailles en attente pour une raison très simple. C'est que je viendrai vérifier que la longueur me convient quand j'aurai fini de monter la robe, quand j'aurai fait les coutures. Et comme je me serai laissé un peu de marge, je pourrai éventuellement rallonger les bretelles, ou éventuellement enlever quelques rangs, ou éventuellement rabattre parce qu'il n'y a rien à changer. J'espère que d'ici là, j'aurai trouvé une solution pour que là où on rabat, ce soit moins moche, parce que vraiment, ça me plaît pas. Alors, c'est pas un souci, parce qu'on peut toujours bidouiller, faire une petite couture, là, voilà, rentrer les angles, mais voilà, ouais, moi, ça me convient pas. Bon, allez, je prends un peu de marge, si je trouve mes ciseaux, ouais. Et je laisse ça de côté. Et puis on va attaquer, donc on va faire la même chose ici. Je vais juste vous accompagner sur le début pour vous montrer comment on va commencer ici avec un nouveau fil. Mais sinon, c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Il n'y a vraiment aucun changement jusqu'au bout. Allez, à tout de suite. Bon, alors rappelez-vous, il s'agit de diminuer en début et en fin de rang tout en gardant le motif des côtes. Et on diminue que sur les allées. Entre les diminutions, on tricote les mailles comme elles se présentent. Derrière, sur tous les rangs retour, on tricote toujours les mailles comme elles se présentent. On traite les quatre premières et les quatre dernières mailles à l'endroit. Donc, on aura toujours à la fin, enfin, une fois le rang fini, l'allée, on aura donc toujours trois mailles en droit au début et trois mailles en droit à la fin. Donc, on commencera tous nos retours par 3 mailles en vert et on finira tous nos retours par 3 mailles en vert. Bref, comme tout à l'heure. Alors je prends un nouveau fil et puis je me laisse un petit peu de marge. Il est emmêlé. Hop là. Je me laisse un petit peu de marge pour avoir la possibilité de le camoufler. Donc je commence comme ça. Les deux premières mailles. Ensuite, je fais attention. Je cale le fil perdu avec mon doigt et je prends bien le bon fil pour tricoter la suite. Deuxième maille en droit, je glisse, je tricote, je rabats. Est-ce que je vous ai dit que ça s'appelait un surjet, ça? Ils ont des noms, sérieusement, quoi. Enfin bon, bref. Ce fil-là, il est déjà un petit peu sécurisé, mais je viendrai quand même l'attacher sur le rang retour parce que cette maille, elle va être très lâche. Bref, ensuite, je tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. J'arrive à 4 mailles de la fin du rang. Je vais traiter les 4 dernières à l'endroit, fil derrière donc. 2 mailles en droit ensemble. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. Il me reste donc bien au minimum 3 mailles en droit ici et 3 mailles en droit ici. Pour le retour, les 3 premières mailles et les 3 dernières sont forcément à l'envers. Et je tricote le reste comme ça se présente jusqu'à la fin du rang, sachant que je termine par 3 mailles en vert de toute façon. Ok, j'arrive à la fin de mon rang 2 et donc bien sûr forcément les 3 dernières mailles au minimum à l'envers. Et alors c'est là, vous voyez qu'elle est super lâche la maille, forcément. Ça correspond au fil perdu. Donc je viens faire un petit nœud. J'y arrive jamais moi.
Aucune vision dans l'espace. Ouais, je suis lourdement handicapée, quand même. Hein. Hop. Quoique, c'est pas du tout drôle ce que je viens de dire. Pas du tout. Est-ce que j'en fais un deuxième? Non, c'est pas nécessaire. Ce fil-là, je viendrai le camoufler de toute façon. Pas d'inquiétude. Donc, je vais faire ça. Je vais répéter ces deux rangs jusqu'à ce qu'il me reste, en ce qui me concerne, 7 mailles sur mes aiguilles. Enfin, oui, 7. 9, parce que je vous montrerai comment gérer les deux derniers rangs. Mais bon, là, c'est plus, pas la peine que je vous le montre une deuxième fois. Donc, jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles sur les aiguilles. Et ensuite, j'attaque la bretelle. Donc, en gros, je fais exactement ce que j'ai fait sur la première partie. On est sur la partie dos et donc j'ai fait mes 4 rangs au point mousse avec mes aiguilles 5,5, mes 50 rangs en jersey avec des aiguilles numéro 6 et là je suis supposée attaquer donc mes 12 rangs de côte puisque sur le dos on est aussi en côte, côte 3,2 en ce qui me concerne. Alors il va y avoir une petite différence par rapport aux côtes qu'on a fait la dernière fois pour le devant, c'est que ici dès le premier rang et sur tous les rangs impairs, c'est-à-dire sur chaque allée, je vais venir placer une diminution en début et en fin de rang. La diminution, techniquement, c'est la diminution de type raglan, c'est-à-dire la même que celle qu'on avait utilisée pour faire le haut de la robe, c'est-à-dire quand on fait la diminution les diminutions jusqu'à la bretelle. Donc les règles vont être les mêmes, sauf que sur le premier rang, on ne tricotera pas vraiment les mailles comme elles se présentent, puisque les côtes n'ont pas encore été commencées, il va falloir donc les créer. C'est-à-dire que sur le premier rang, on va diminuer et créer en même temps des côtes. Et ensuite, vous verrez, ça ira tout seul. On fera nos diminutions sur tous les allées et on tricotera les mailles comme elles se présentent entre les diminutions. Puis nos rangs retour en tricotant les mailles comme elles se présentent, pas de difficulté particulière. Première chose, je pense à reprendre mes aiguilles d'une demi-taille en dessous. Donc la règle de base, je traite les 4 premières et les 4 dernières mailles où je vais faire mes diminutions à l'endroit. Et puis, en plus de ce qu'on avait appris la dernière fois, entre les deux, je vais créer mes côtes. Donc les 4 premières à l'endroit, je tricote les 2 premières à l'endroit, je glisse la troisième en la prenant à l'endroit comme pour la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je tricote à l'endroit la quatrième maille et je rabats la maille glissée sur la maille tricotée. J'ai bien fait une diminution. Donc là, on peut considérer que j'ai fait mes 3 premières mailles à l'endroit. Du coup, comme je suis en côte 3-2, eh bien, je vais commencer mon alternance, ou continuer plus exactement, 3 mailles en droit, donc 2 mailles en vert, et je continue comme ça, 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, et je vais m'arrêter en continuant mon alternance et sans me tromper sur le premier rang, je vais m'arrêter à 4 mailles de la fin. Alors, sans me tromper, sachant que quand même je peux voir, je peux me récupérer s'il y a un souci, puisque je vois bien s'il y a une boucle ou pas. Mais le mieux, ça serait de pas se tromper. Allez, on fait ça, et puis je vous vois à 4 mailles de la fin. Voilà, j'arrive vers la fin. 2 mailles en vert. Et je devrais faire 3 mailles en droit. Bon, sauf que je garde mes 4 dernières de côté. Donc je fais 2 mailles en droit. Voilà. Je ne me préoccupe pas du tout maintenant, l'alternance s'est terminée, j'ai pu faire que 2 mailles en droit, et je vais faire ma diminution en fin de rang. C'est-à-dire tout à l'endroit, je saisis les 2 premières mailles qui se présentent ensemble à l'endroit, et je les tricote. Puis, évidemment, mes 2 dernières mailles à l'endroit. Donc ça y est, une fois que le rang numéro 1 est fait, et que donc on a créé nos côtes et qu'on a commencé nos diminutions, ça se passe comme pour le haut de la robe qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'à partir du rang suivant, je sais, et pour tous les rangs qui suivent, je sais que je vais commencer tous mes rangs pairs par au minimum 3 mailles à l'envers, je vais les terminer aussi par au minimum 3 mailles à l'envers, peut-être plus, ça dépend de la façon dont se présentent les mailles, et je vais tricoter comme ça mes 12 rangs en faisant mes diminutions sur tous les rangs impairs et en tricotant les mailles comme elles se présentent entre les diminutions et sur tous les rangs pairs. Donc 3 mailles en droit, 3 mailles en vert, je vous dis en droit et je fais de l'envers. Ouh là là. Et il se présente encore 2 mailles en vert, pas de souci, tout est normal. Allez, je finis mes 12 rangs de jersey. Zut,
j'ai oublié de changer l'aiguille. Moi que ça me saoule ça. Bon, mais c'est pas grave, je défais. Ah, je peux faire des leçons, hein, je vous le dis, moi. En fait, je manque cruellement de concentration, personnellement. Alors, je vous ai déjà montré la dernière fois. Vous voyez, c'est bizarre ce tuto. Ça fait déjà quand même deux fois que je me plante. Bon, la dernière, j'arrive jamais à la défaire comme il faut. Hop! On va faire ça comme ça, fais voir. Où est-ce qu'il est mon fil? Il est là. Ouais, mais. La dernière, ça me fait toujours. J'arrive jamais à les détricoter comme il faut. Je détricote toujours la dernière deux fois. Donc je vous montre. Voilà. Je l'ai détricoté deux fois, je le sais, parce que mon fil, il est tenu à l'avant-dernière maille sur le rang précédent. Donc je la retricote. Voilà. Et donc, je change d'aiguille. Et je recommence. Voilà. Bon. Alors bien sûr, je vais dans quand je vais faire le montage, je vais penser à vous le dire avant parce que ça serait quand même un peu con. Mais j'ai encore commis une autre erreur, c'est que sur le devant, j'avais tricoté donc 12 rangs de côte tout droit. Et là, je suis supposée faire aussi 12 rangs de côte avec des diminutions pour que le dos soit bien ajusté au corps de la petite fille qui va mettre cette robe. Sauf que j'ai mes boutonnières à faire. Donc, je ne vais pas tricoter autant de rangs que sur le devant. J'en avais tricoté 12, je vais en faire 10 et on se retrouve sur les deux derniers rangs puisque c'est là qu'on va faire les boutonnières. Donc, vous faites vos côtes avec vos diminutions pour aller jusqu'à 2 rangs de moins que sur le devant. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc, je fais 10 rangs de côte et on se retrouve. Voilà. Bon, là, c'est début d'une pelote suivante. J'ai pas été bien maligne, j'ai fait ça comme ça. Bon, on verra. Alors, j'ai bien 52 mailles. Donc, je vais déjà commencer par mettre un petit marqueur au milieu, mais il sera temporaire. Là, je vais juste le mettre pour l'instant pour pouvoir diviser une première fois mon travail en deux. Donc, 26 mailles d'un côté, 26 mailles de l'autre. Voilà, bon là c'est début d'une pelote suivante. J'ai pas été bien maligne, j'ai fait ça comme ça. Bon, on verra. Alors j'ai bien 52 mailles, donc je vais déjà commencer par mettre un petit marqueur au milieu, mais il sera temporaire. Là, je vais juste le mettre pour l'instant pour pouvoir diviser une première fois mon travail en deux. Donc 26 mailles d'un côté, 26 mailles de l'autre. Voilà. Donc c'est un marqueur que j'ai acheté. Vous pouvez tout simplement glisser un fil. Voilà la moitié de mon ouvrage. Donc je vais maintenant encore diviser en deux, donc 26, 13 et 13, et je vais venir marquer une maille en disant c'est celle-là que je vais diminuer. Parce que pour faire la boutonnière, on va tricoter deux mailles ensemble, il y a un endroit où on va enlever une maille, et directement derrière, on va faire un jeté pour rajouter une maille pour que on ait toujours le même nombre de mailles au départ et à la fin. Donc là, hop, si j'y arrive, pas super pratique, hein? Ok, j'aurais dû faire ça avec un petit fil et une petite aiguille. Première chose, vous êtes déjà en train de vous dire, mais en fait, elle met un marqueur sur la 13e maille, mais vu que le rang numéro 11, on va venir faire nos diminutions, là, une diminution ici, une diminution là, puisque je n'ai pas terminé mes 12 rangs. Alors oui, en effet, ma petite boutonnière ne sera pas très exactement centrée au milieu du centre. Ah, c'est une sacrée expression. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, je veux vous montrer autre chose. Ce que je veux vous montrer, bon, déjà je vais enlever. De toute façon, je finis jamais une phrase, moi. Cherchez pas, on me le reproche tout le temps. Hop, j'enlève ce marqueur-là parce qu'il ne sert plus à rien. Voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est que je vais venir faire une diminution ici. Ça veut dire que cette maille qui est marquée, je vais la rabattre. Juste après, on va faire un jeté. Il se trouve que je voudrais vous montrer. Alors, je ne vais pas faire toute une vidéo sur le jeté tout de suite. Là, je ferai une vidéo, un tuto à part. Mais je voudrais vous montrer que quand on fait un jeté entre deux mailles en droit, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on fait un jeté entre deux mailles en vert ou une maille en droit et une maille en vert. Ce qui fait que du coup, pour les besoins de la vidéo, je suis venue positionner mes petits marqueurs à un endroit un petit peu particulier pour être sûre de vous montrer les deux cas de figure les plus courants. Parce que je ne sais pas moi comment vous allez tomber. Hein, quand vous allez rabattre vos mailles et qu'il faudra faire un jeté derrière, je ne peux pas savoir à l'avance. Si vous aurez un jeté entre deux mailles en droit, deux mailles en vert ou une de chaque. Donc je veux vous montrer au moins les deux hypothèses qui me semblent les plus courantes, de sorte que vous puissiez vous en sortir. Voilà qui est dit.
Voilà comment ça va se passer. Je suis donc sur mon 11e rang. Je vais venir faire, je vais y arriver, ma diminution en début et en fin de rang. Et sur le même rang, je vais venir faire mes boutonnières. Donc première chose, les 4 premières mailles que je traite à l'endroit avec ma diminution, comme d'habitude. Ensuite, je tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'à mon marqueur. Je sais pas si vous entendez le petit bip bip là, mais c'est le four qui me dit que la tarte est prête. Alors je vais un petit peu accélérer. Voilà. J'arrive vers mon marqueur. Ce sont des mailles qui se présentent à l'endroit. Je vais tricoter 2 mailles ensemble. Non, je vais passer mon fil derrière, hein, puisque ce sont des mailles qui se présentent à l'endroit. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, ça y est, j'ai fait ma diminution. Maintenant, il faut que je fasse un jeté pour rajouter une maille. C'est un jeté qui est entre une maille endroit ici et une maille endroit là. Ça veut dire que mon fil est derrière au départ et il faudra qu'il soit derrière au départ, prêt à tricoter la maille suivante à l'endroit. Donc je passe entre les aiguilles et je ramène mon fil derrière. Je tricote la maille suivante. Voilà, mon jeté est fait et la maille suivante est tricotée normalement. Ensuite, je tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur suivant. J'arrive vers le marqueur suivant, à l'endroit, à l'endroit. Alors, ces deux mailles-là, je vais les tricoter ensemble à l'endroit aussi. Donc, celle du marqueur et la précédente. Hop. Donc, j'ai une maille endroit ici et je dois tricoter la suivante à l'envers. Mais je dois faire un jeté entre les deux. Donc il faut que mon fil parte de derrière et arrive devant après mon jeté. Donc, je passe devant, pardon. Je vais écarter les aiguilles. Je suis derrière, je fais le tour de l'aiguille et je reviens devant. Et j'ai bien qu'un seul jeté. Parce que le risque qu'il pourrait y avoir, c'est de faire passer entre les deux comme ça, revenir. Et en fait, vous auriez fait deux jetés. C'est pour ça que je vous le précise. Voilà, j'ai un jeté, je tricote la suivante comme elle se présente à l'envers. Ensuite, je tricote comme ça se présente jusqu'à 4 mailles du bord et je fais ma deuxième diminution. Hop, à l'endroit, je traite les 4 dernières à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et à l'endroit. Voilà, le 11e rang est terminé, je vais attaquer le 12e. Et là, la seule question qu'on va se poser, c'est de savoir comment on va tricoter les jetés. Puisque pour le reste, je tricote les mailles comme elles se présentent, comme d'habitude. Donc, je vais tricoter comme ça se présente jusqu'à ce que j'arrive à mon jeté. Et puis, on voit comment on fait. J'arrive vers mon jeté, donc j'ai encore une maille envers. Une maille qui se présente à l'endroit. Et le jeté, lui, il se présente pour être tricoté à l'endroit. Non pas que je le vois, mais que je le regarde. Trois envers, une endroit, donc la suivante à l'endroit aussi. Je vais la tricoter par le brin avant du jeté et pas par le brin arrière. Alors le jeté, vous le reconnaîtrez facilement. C'est une maille toute bizarre qui n'est pas tenue à sa base. Voilà, elle est très lâche. D'ailleurs, si elle tombe, il faut bien penser à la remettre comme il faut. Hop, comme ceci. Et donc là, je vais le tricoter, ce jeté, par le brin avant, normalement, à l'endroit. Voilà. Ensuite, je continue à tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à arriver à mon jeté suivant. J'arrive à mon jeté suivant, à l'endroit. Là maintenant, c'est à l'envers. Et donc, le jeté sera tricoté à l'envers. Mais là aussi, je prends le brin avant, celui qui se situe vers moi. Et je tricote mon jeté tout à fait normalement à l'envers. Puis la suivante encore à l'envers, puisque j'ai deux endroits, une, deux, trois envers, et ensuite, toujours comme ça se présente, jusqu'à la fin. Je termine le 12e rang, et puis on va voir ce que ça donne. Alors pour ce qui est des jetés, j'ai pas fait de petite vidéo pour l'instant sur le jeté, mais par contre j'ai fait une vidéo sur le brin avant, le brin arrière et les mailles torses. Donc voilà, si ça vous intéresse. Alors, j'ai laissé mes petits marqueurs, mais je vais les enlever. Là où j'ai tricoté les jetés,
normalement avec le brin avant, j'ai le petit trou qui correspond à la boutonnière. Donc je vais enlever mes marqueurs et maintenant c'est le moment de rabattre. Ensuite on va regarder ces petites boutonnières de plus près pour que je vous montre comment éventuellement changer la taille si vous trouvez que la boutonnière est trop grosse, qui vous obligerait à mettre un bouton trop gros, soit que vous n'en ayez pas, soit que ça ne soit pas proportionnel, la taille du bouton ne soit plus proportionnelle à la taille de la bretelle par exemple, et que voilà, d'un point de vue esthétique ce soit pas très sympa. Donc là je rabats tout à fait normalement toutes mes mailles jusqu'à la fin, peut-être, oui, et on regarde les boutonnières. Oui, si, juste pour vous montrer, parce que j'ai toujours un truc à rajouter, quand on rabat et qu'on arrive à l'endroit où il y a la boutonnière, c'est vrai que le fil est un petit peu lâche, un petit peu particulier. Il ne faut pas que ça vous inquiète, c'est pas une erreur que vous avez commise, c'est juste qu'en ayant tricoté le jeté par son brin avant normalement, et eh bien sur le rang retour, c'est encore un petit peu lâche, c'est une maille qui est encore un petit peu particulière. Mais ça ne signifie pas que vous vous êtes trompé. Je termine de rabattre. Et je vais laisser pas trop de fil perdu, juste assez de longueur de fil pour pouvoir camoufler le fil ensuite. Puisque j'ai déjà laissé du fil perdu quand j'ai monté mes mailles en bas, donc j'ai pas besoin d'en garder 15 tonnes. Alors là, il se trouve que c'est la fin de ma pelote, donc du coup, ça va être vite réglé. Je prends le fil qui reste. Et je le passe dans la dernière boucle. On va dire qu'une quinzaine de centimètres serait largement suffisant. Alors on regarde un petit peu ce que ça donne. Voici les boutonnières, ici et ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une possibilité quand même de venir faire un tout petit point de couture. Vous pouvez parfaitement, sur l'arrière, hein, sur l'envers du travail, venir coudre un petit peu ici avec un fil a priori de la même couleur. Oh, le téléphone, j'ai oublié de l'éteindre. Bon, je vais répondre quand même. Ok, bon, c'était ma sœur. Bref. Alors, je ne sais même plus où j'en étais. Moi, je parlais de boutonnière. Ah oui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien de plus pénible qu'un bouton qui s'échappe de la boutonnière. C'est super pénible. Donc, il vaut mieux, éventuellement, si votre bouton était de taille un peu petite, venir faire un petit point ici sur l'arrière, en haut de la boutonnière, pour en rétrécir la taille. C'est ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, là c'est une boutonnière d'une seule maille, mais enfin le fil est un peu gros, les aiguilles sont un peu grosses, donc ça fait une grosse boutonnière. Mais d'une manière générale, moi quand j'ai un doute, je préfère faire une boutonnière un petit peu trop grande et venir la rétrécir par un point de couture, que de prévoir une boutonnière trop petite, et puis après de ne pas pouvoir passer le bouton dedans, parce que par contre je ne pourrais pas venir l'agrandir, ma boutonnière. Enfin je pourrais, mais ça serait carrément très compliqué. Ok, bon, ben voilà, hein, ça y est, c'est fait. Alors, je suis super déçue par mes côtes. Alors, ce que vous savez pas, c'est que je filme pas dans l'ordre chronologique, en fait. Je fais du devant, je fais du dos en même temps. Bref, j'avais déjà vu que ça donnait ce résultat-là sur le devant, que j'ai quasiment fini de filmer. Mais la laine que j'ai utilisée pour les côtes, c'est une pelote que j'ai détricotée. Et en plus, je fais des côtes avec des aiguilles quand même relativement grosses. Et ce qui fait que je n'obtiens pas ce côté un petit peu resserré. Enfin, pas suffisamment à mon avis. Et je trouve ça plutôt assez moche. C'est aussi dû au fait que j'utilise des aiguilles beaucoup plus grosses par rapport à la qualité du fil. Et ça, je ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que autant il ne faut pas se dire qu'on est obligé de tricoter forcément avec les aiguilles préconisées. Autant il faut bien se rendre compte que... si on change singulièrement de taille d'aiguille, vraiment beaucoup plus grosse ou vraiment beaucoup plus petite, il n'y a pas à chipoter, l'aspect esthétique sera vraiment changé et parfois ça ne sera pas pour le meilleur, ça sera bien sûr pour le pire. Donc je suis super déçue. Bon, cette petite robe, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui l'a donnée, je ne suis pas sûre qu'elle soit portée. Donc ça me console un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. Pour la couture invisible, on va avoir juste deux petites difficultés techniques que je vais vous montrer. Donc là, c'est le devant et là, c'est le dos. On fait la couture invisible en ayant l'endroit du travail visible précisément. Les difficultés qu'on va avoir, c'est sur le point mousse, on ne va pas venir saisir tout à fait la même maille que sur du jersey. Donc déjà, première chose. Ensuite, au niveau des côtes, il faudra faire en sorte de ne pas avoir de décalage, c'est-à-dire que quand on va finir faire notre couture comme ça,
de bien arriver de sorte que les côtes du dos correspondent bien aux côtes du devant et s'arrêter au bon moment. Donc je vais vous montrer un petit peu plus précisément. La couture invisible se fait généralement, on vient passer l'aiguille à coudre juste après la maille lisière. Donc la maille lisière, c'est cette petite maille qui est sur le côté qui est assez moche, donc vous la retournez. Là j'ai donné un petit coup de fer. Vous savez que dans l'épisode précédent, j'ai découvert le fer à repasser. Tiens, j'ai les chiens qui aboient maintenant, c'est formidable. Je vis dans une maison vraiment très calme, décidément. Donc la maille lisière, et juste après, si vous venez regarder, vous avez des petits barreaux entre après la maille lisière, mais avant la maille suivante. Voilà. Donc là, faut pas venir hésiter, faut pas hésiter à venir écarter pour vérifier. Voilà, c'est ces petits barreaux là qu'on va venir chercher. Sur les côtes, ça sera la même chose. Donc la maille lisière qui est vraiment toute moche est retournée. Et juste avant la maille précédente, vous avez des petits barreaux. Sur le point mousse, par contre, ce n'est pas les petits barreaux qu'on va venir chercher. C'est les petites mailles, les petites boucles qui dépassent du bord. Donc la première ne dépasse pas trop, mais les suivantes, on le voit bien, elles dépassent sur les bords. Et bien c'est là, hop, est-ce que je vais y arriver? Oui, qu'on viendra passer notre fil. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc au niveau du jersey, la maille lisière qui se trouve ici, ça fait un petit V. La maille suivante qui se trouve là, et entre les deux, des petits barreaux partout. Tout le long. Pour ce qui est du point mousse, on va pousser ça un petit peu, on va venir chercher les petites boucles qui dépassent légèrement sur le bord. Voilà, maille lisière, petit barreau d'un côté, et sur l'autre morceau, maille lisière, petit barreau. Donc voilà la raison d'être du fil perdu que je garde, c'est que je veux utiliser ce fil perdu pour faire la couture. Donc une aiguille à laine, tac, voilà, et je vais venir d'abord arrimer les deux bords ensemble. Donc je suis ici et là je viens chercher la première petite boucle que je trouve. Alors pour arrimer, c'est pas toujours super évident, il faut essayer de se mettre voilà exactement en face. Ensuite je viens prendre la boucle qui dépasse ici. Je passe mon fil. Peut-être, s'il n'y a pas de nœud. Décidément, ça m'arrive quasiment à chaque fois, ça. Et je viens en face chercher l'autre petite boucle qui dépasse. Alors, je prends mon fil, je passe le fil, mais vous voyez, je ne le tire pas complètement. Je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà, je viens chercher la petite boucle qui dépasse. Et je passe mon aiguille, ensuite je vais en face et je prends la petite boucle qui dépasse, pareil de l'autre côté, et là j'en ai fini pour le point mousse. Donc j'ai fini d'assembler mon point mousse, maintenant je vais assembler la partie jersey. Donc maille lisière, juste après j'ai un petit barreau, je passe, en face maille lisière, juste après j'ai un petit barreau, maille lisière, petit barreau, et je fais comme ça, des allers-retours en vis-à-vis. Je vais vous montrer ça en gros plan. Donc maille lisière qui est légèrement retournée, et juste après je viens saisir un barreau et je passe mon aiguille et mon fil. Ensuite je viens en face et je saisis un petit barreau. Alors je vais faire ça sur quelques centimètres, pas trop non plus, 3-4 peut-être pour débuter. Voilà. Alors vous avez remarqué que je saisis un petit barreau à la fois, mais je pourrais parfaitement décider de prendre un et un deuxième petit barreau. Je vais écarter un petit peu pour qu'on le voit bien. Là j'en prends deux, sauf que si j'en prends deux d'un côté, c'est ce que je fais en général d'ailleurs,
j'en prends deux de l'autre, un et deux. Voilà, là j'ai fait quelques centimètres. Alors maintenant que j'ai fait quelques centimètres, je vais tenir le départ de ma couture fermement et je vais venir tirer le fil. Et je vais même venir froncer. Je fronce et puis je détends ensuite. Et vous voyez, ma couture est devenue invisible. Alors je vérifie bien parce que si j'ai pas suffisamment tiré, on va encore avoir le fil qui fait le zigzag. Et dans ce cas-là, je refronce un petit peu et je retire correctement. Donc je fais ça tout le long. Alors moi, vous le savez, je prends plutôt deux barreaux d'un côté et deux barreaux de l'autre. Parce que j'aime bien que ça aille un petit peu vite. L'objectif étant de ne pas se décaler et de bien rester dans le même rythme. Deux d'un côté, deux de l'autre. Alors, je vais vous montrer sur la fin, quand on arrive vers les côtes, que si vous êtes un petit peu décalé et que vous avez avancé plus vite d'un côté que de l'autre, c'est là que ça se verra le plus, hein, quand il y a des rayures ou quand on arrive vers des points fantaisie tricotés différemment du reste, sur le dos et le devant, c'est là qu'on voit si on a un décalage. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, je fais encore juste quelques allers-retours. Voilà. Tac. Je tiens fermement et je tire. Je fronce un petit peu et je défronce. Et voilà, la couture est parfaitement invisible. Alors c'est quand même un petit détail supplémentaire au cas où. Bon, là je vais tirer, foncer, voilà. Vous avez vu que je fais la couture à une maille du bord, hein, puisque je viens juste après la première maille saisir les petits barreaux. Rien ne m'empêche, mais là il faut le décider dès le départ, de venir faire ma couture invisible, non pas à une maille, mais à deux mailles des bords. Et venir saisir ces barreaux là, pareil en face, une maille, deux mailles. Alors pourquoi est-ce que je ferai ça? Je ferai ça si j'ai l'impression que mon ouvrage est trop large. Je vais gagner un demi centimètre de ce côté, un demi centimètre de celui là pareil pour l'autre couture, donc j'aurai gagné 2 cm de largeur. Par contre, le petit bourrelet qui se trouvera à l'intérieur, qui est constitué par les deux mailles lisières en fait, sera beaucoup plus épais. Mais très honnêtement, ça ne dérange pas. Ça peut être utile si vous avez l'impression que votre ouvrage est beaucoup plus large parce que votre échantillon n'était pas tout à fait exact. Ça peut arriver. Arrivé vers les côtes, ce qu'il faut faire, c'est se fier donc aux mailles en vert. Les mailles en vert qui sont ici. Et faire en sorte qu'elles arrivent au même moment entre le dos et le devant pour pas qu'il y ait de décalage. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait un petit décalage, j'ai avancé plus vite de ce côté que de celui-là pour vous montrer que à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous avancez de deux barreaux du côté qui vous semble un petit peu en retard et un seul du côté qui vous semble un petit peu en avance. Et de cette façon, en deux ou trois fois, vous allez arriver de façon synchronisée des deux côtés. Voilà. Là, j'arrive. Logiquement, tout va bien. Et ensuite, je continue ma couture invisible. Hop. Donc la maille lisière, c'est un tout petit peu plus difficile à voir au départ. Parce qu'on a fait une diminution en début. Donc évidemment, la maille lisière est encore plus retournée. Mais voyez, sinon c'est exactement le même principe que pour le reste. Donc là, je vais me remettre à avancer de deux barreaux de chaque côté. Voilà. Et je termine et on se revoit pour camoufler le fil. Voilà, j'arrive sur la fin des côtes, un barreau de ce côté, le dernier qui est un peu plus difficile à trouver, un autre barreau, et là je vais rentrer cette fois-ci dans le bord comme ça et sortir de l'autre côté. Voilà, je vais d'abord commencer par tirer mon fil, froncer un petit peu, revenir, et je vais repasser mon fil de sorte à ce qu'il sorte sur l'arrière du travail pour venir le camoufler. Donc c'est là où vous en profitez éventuellement, si vous avez une petite boucle au bord qui est un peu lâche, et eh bien vous venez
faire un petit point dessus quand vous passez votre fil de l'autre côté. Voilà. Ah ben non, je suis passée exactement à l'endroit, donc du coup, ça a défait le point d'avant que je venais de faire. Donc je recommence. Je vais saisir cette petite boucle. Voilà, et la rentrer pour la camoufler un petit peu. Et ensuite, je tourne mon travail. Hop, je vais me mettre dans le bon sens. Enlever un petit peu tout ce qui traîne. Donc ici, je vais sécuriser un petit peu en faisant voilà un aller-retour. Et maintenant, je vais venir simplement passer mon fil de part et d'autre du petit bourrelet. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas traverser et se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage parce que bon, ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est que ça reste invisible. Donc, je fais quelques petits passages de part et d'autre. Je sécurise de nouveau en faisant presque du surplace. Voilà. Et je vais faire courir mon fil perdu sur la tranche. Donc juste pour l'éloigner un petit peu du bord. Voilà. Je tire. Est-ce que j'ai mes pertiseaux? Oui. Que je n'avais pas préparé. Hop. Je fronce un petit peu. Et je coupe et je tire. Et voilà. Mon fil est camouflé. Alors puisqu'on est là, on va en profiter pour venir camoufler le fil du V. Hein. Donc là, je vais simplement profiter du moment où je dois camoufler ce fil qui est au milieu pour venir rapprocher un petit peu les deux bords de mon V parce qu'ils sont toujours un petit peu écartés. Donc c'est le moment ou jamais de venir rectifier ce qui vous semble être un petit peu trop lâche. Voilà, donc là j'ai rapproché les deux côtés. Et maintenant, je vais simplement venir faire courir mon fil. Donc là, je suis sur l'arrière du travail, sur l'envers, je veux dire. Et je vais le passer dans les petits barreaux, comme d'habitude, mais je vais en prendre. Je vais passer une fois dessus, une fois dessous, mais hop, en le faisant qu'une fois tous les deux barreaux. Donc dans un sens. Là, je ne tire pas trop non plus, hein, pour pas que... Je vais faire la même chose en remontant un tout petit peu. Et là, je tire pas trop pour pas froncer. Et je refais la même chose, mais cette fois-ci dans les boucles. Une boucle, dessus, dessous. Voilà. Je ne fronce pas. Et je coupe. Et je vérifie de l'autre côté. Et bien, de l'autre côté, ça se voit. Parce que mon fil est beaucoup trop gros. Pas mon fil est trop gros, mais les aiguilles que j'ai utilisées sont beaucoup trop grosses, donc la partie en vert, les mailles en vert sont pas très resserrées. Donc je sais pas si vous le voyez, mais on le voit très légèrement. Normalement, les côtes, ça vient beaucoup plus se resserrer. Les mailles en vert sont quasiment invisibles. Mais comme j'ai utilisé des aiguilles beaucoup plus grosses que celles prévues, notamment pour qu'on voit quelque chose dans la vidéo, et ben du coup, voilà. Autre chose, rappelez-vous le défaut, là, ben, je l'ai pas corrigé. Je sais pas, je vais peut-être mettre un petit quelque chose. Bon, bref. Et bien maintenant, il s'agit de faire la couture invisible des deux autres bords. Donc c'est exactement la même chose. Et ensuite, on s'occupera... Voilà, il me reste ça à faire. Et ensuite, on s'occupera des bretelles. Donc pour ce qui est des bretelles, souvenez-vous, on avait... enfin, j'ai mis, en ce qui me concerne, les mailles en attente sur une épingle à nourrice. Et j'ai laissé suffisamment de fil pour éventuellement venir allonger... ou d'ailleurs rétrécir les bretelles. Alors, les bretelles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes façons de les mettre. Première chose, vous pouvez mettre, donc, mettre votre bouton et venir mettre des bretelles le plus simplement du monde, comme ceci, face à vos boutonnières. La deuxième chose, c'est que vous pouvez croiser. Dans ce cas-là, le besoin de longueur n'est pas tout à fait le même. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pointe du buste arrive au niveau des épaules quasiment. Si vous regardez le modèle, il y a à peine un centimètre ou deux. Donc les bretelles sont pas si longues que ça. Par ailleurs, elles sont
quand même relativement élastique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette longueur, je vais rabattre, camoufler mon fil, et puis bon, couper et camoufler mon fil, mettre un petit bouton, et je vais venir les installer comme ça. Mais je pense que ça sera tout à fait suffisant aussi pour venir mettre les bretelles croisées. Mais bon, comme il y a des boutonnières, de toute façon, vous les mettrez bien comme vous voulez au dernier moment, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc première chose, j'enlève l'épingle à nourrice. Donc moi, vous savez que j'utilise des aiguilles plus courtes, en l'occurrence aussi plus fines, et qui sont double pointe, mais on n'est pas obligé d'avoir des aiguilles double pointe. Double pointe, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc je viens rabattre, comme ceci, de façon classique. Et puis après, je vais vous montrer. On va venir faire un petit point pour que cette bretelle retrouve son aspect un petit peu cordon, puisque c'est un peu l'objectif. Donc je rabats ça, et au moment où on va camoufler le fil, on va venir en profiter pour rentrer les bords un petit peu à l'intérieur et changer l'aspect des bretelles. Voilà pour ça. Donc là, j'ai un petit peu trop de fil. Forcément, j'en avais laissé d'avance au cas où. J'en enlève un peu pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, l'endroit est ici. Et on va venir coudre en refermant de cette façon la bretelle. Donc là, je l'ai terminée de ce côté, vous voyez. Et éventuellement, on pourrait même faire la même opération au niveau du début de la bretelle. Refermer un petit peu. Je vais y arriver. J'ai des mains à faire des mottes aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et du coup, vous voyez, votre bretelle, elle a un aspect cordon. Pourquoi? Parce que les mailles en verre qui sont à l'intérieur font se recourber les bords. Donc on va commencer par ça, mon aiguille. Elle est là. Donc je vais. Vous voyez, puis c'est toujours un petit peu moche là sur les bords. Donc on profite de ce moment-là pour venir rapprocher les deux bords. Tout en camouflant un petit peu ces mailles qui sont disgracieuses. Donc là, il faut. Voilà. Et l'objectif maintenant, ça va être, dès que je me place comme il faut quand même, ça va être de rendre le fil suffisamment solide, enfin la dernière couture suffisamment solide pour que ça ne se défasse pas en cours de route. Et j'hésite pas à tirer un peu, voilà, pour être bien sûr que les bords. Donc là, tout se passe sur l'arrière. Vous voyez, je suis sur la partie qui ne sera pas visible de la couture, je passe devant. Voilà, et en tirant bien, je rapproche correctement les bords. Après, je fais juste un petit peu un aller-retour sur place. Enfin, sur place, pas tout à fait sur place. Pour venir sécuriser le tout. Voilà. Je vais rentrer à l'intérieur. Sortir l'aiguille comme ça. Il est où le fil qui se termine? Là. Et ensuite, tout simplement, je le coupe. Voilà. Du coup, ma bretelle, elle a cet aspect un petit peu cordon. Et je peux, je vous le disais, je peux venir faire la même chose ici. Alors moi, je ne vais pas le faire, je vais vous dire pourquoi. Parce que souvenez-vous, j'avais un petit problème de défaut à cet endroit. Donc, je vais venir mettre, voilà les boutons que j'ai choisis, un petit bouton ici. Un petit bouton à la base de la bretelle. Et évidemment, des boutons au bout pour venir fixer les bretelles dans le dos.
Voilà, donc je ne vais pas venir rapprocher les petits cordons ici. Ah ben tiens, le chat qui arrive, je ne sais pas si vous le voyez. Non, non, enfin, ne monte pas, non, je rigole en fait. Oui, non, mais tout à l'heure. Et en mettant mon petit bouton, je vais faire en sorte de rapprocher les bords de la bretelle pour que ça fasse un peu cordon. Je fais ça et puis on se voit après. Oui, tu veux des câlins, toi, hein? Ça fait 2 minutes. Bon, et ben voilà pourquoi régulièrement j'ai des poils sur mon petit tissu orange là, parce que ben voilà, elle vient souvent chercher des câlins pendant que je suis en train de filmer, ce qui ne facilite pas vraiment vraiment la tâche. Je devrais être plus sévère. Mon Dieu, il y a des poils partout. Oh. Allez, chacun son fardeau, hein, comme dirait l'autre. Bon, et ben j'ai posé mes petits boutons, donc celui-ci pour cacher les défauts, ici pour apporter un petit peu de symétrie pour faire un rappel au niveau du buste, et derrière, voilà, en bout de bretelle. Ici quand même la boutonnière me semble un peu grosse, je vais peut-être être obligée de venir faire un petit point. Bon, et bien sûr vous pouvez mettre les bretelles droites si vous le souhaitez. Alors vous sentez peut-être au son de ma voix, mais je vous cache pas que je suis assez déçue du résultat esthétique de ce que je viens de pondre là. Alors pour vous dire la vérité, ça fait un petit moment que je sais que ça va être moche. Je m'en suis rendu compte en cours de tuto, bien sûr. Et alors à partir du moment où je me suis dit, mon Dieu, c'est pas beau, et bien ça a été super dur pour moi de le tricoter et de le filmer parce que c'est pas possible, quoi. Ce que j'ai gardé à l'esprit et la raison pour laquelle j'ai quand même persisté dans ce projet, c'est que j'ai fait un mauvais choix d'aiguille. J'ai pris des aiguilles beaucoup trop grosses. Pas tant pour le bas parce que j'ai serré un maximum en tricotant, mais sur les côtes c'est évident, simplement pour qu'on y voit comme il faut pour le tuto. Donc je pense que ça c'est ok, mais par contre voilà, c'est trop lâche, il n'y a pas à chipoter, c'est trop lâche, ça va pas, c'est pas beau, ça me plaît pas, mais ça ne change rien à l'aspect technique de la chose. On peut parfaitement suivre le tuto comme ça, si ce n'est que je vous rappellerai bien au début d'utiliser des aiguilles qui sont en adéquation avec le fil et pas des aiguilles de taille complètement différente. Alors, je ferai un petit tuto, je pense, là-dessus, parce que c'est un problème que j'ai déjà rencontré. Au tout début, quand j'étais vraiment, vraiment débutant, parce que je ne savais jamais avec quel fil tricoter, avec quelles aiguilles, pardon, tricoter un fil, mais aussi quand j'avais un fil à tricoter qui préconisait certaines aiguilles et que j'avais pas cette taille-là, je me demandais toujours si je pouvais tricoter avec une autre taille, mais aussi parce que parfois je voulais avoir un aspect plus lâche, plus souple. Et j'utilisais des aiguilles beaucoup plus grosses et ça peut réussir. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à raconter là-dessus, donc je prendrai le temps de faire un tuto. Pour l'instant, de toute façon maintenant j'ai terminé, donc c'est fait. Mais je trouve pas le résultat très chouette. Bon, après, c'est une petite robe, hein, il faut pas paniquer, c'est pour l'été, peut-être même pour traîner sur la plage. Du coup, pas de regret. Enfin bon, c'est pas moi qui la mettrai en même temps. Bon, et ben voilà, c'est l'heure du bilan. Alors, bon, ben, le petit truc habituel, hein, une légère dyslexie, enfin légère, si on veut, qui fait que j'ai pas de vision dans l'espace, j'ai même du mal à faire des nœuds. Une certaine propension, sans doute, à foncer tête baissée. Et puis je me disais, là, cette histoire que j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée que j'ai fait des mauvais choix, notamment sur la taille des aiguilles, hein, je le digère pas ça. Eh bien, je me demande si ça ne serait pas un petit peu de l'orgueil, tout simplement. Voilà, mais c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important, c'est peut-être de savoir ce que vous avez appris sur vous en tricotant cet ouvrage. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto tricot.